to suggest that they can beat the KC that we're seeing right now. So for me, it's 100% Carmine Corp. They're too fluid, too perfect, peaking at the right time, and they'll take down Quadrant, in my opinion. Well, James, based off your speech before too, you might be on the same side. Well, you know, I know that there's some prediction competition going, and I feel like, you know, Twitch chat probably, I haven't done the math, but I think they are actually doing better than many of the analysts in Europe. Wouldn't surprise right me. Now. So I'm just going to go with who Twitch chat says. I'm going K-Corp because, you know, they're K-Corp. Some of the best analysts in the world. So I'm just going to go with them. All right. I think with my brain, I believe you guys are right. But at this moment, Eva contre carré. Birthday, I gotta go with Cass. I'm going with the birthday buff. Give me Quadrant. Put it on the board. I love your pity friend. I feel like I'm digging my own grave here, but whatever. Elle pour toi, mon gars. Gotta stay hype, chat. Elle pour toi, mon gars. Les gars, la caster curse, elle marche pas. Not at all. Not even remotely close. 16% of people care about Cash's birthday. Well done. Yeah, 84%. That's the same. Rien à foutre de son anniversaire. Rien à foutre, wesh. On en a rien à foutre. On s'en branle de l'anniversaire. C'est du sérieux, c'est de la compète. Là, y a pas de cadeau. Le seul cadeau qu'il va avoir, c'est une double tape de Vatira sur son crâne. Y a pas de cadeau. Y a pas de pitié. Y a pas de pitié. Ton anniversaire va être fêté IRL avec sa famille. Mais là, sur le terrain, y a pas de cadeau, mon gars. On va te démo pour ton anniversaire. On va te démo, on va te bump, on va te double tap, on va te flip reset, on va te graille. Rien à foutre ton anniversaire, mon gars. On y va. À battre l'ennemi, on y va. C'est parti les amis. Grande finale, K-Corp, Quadrant. C'est parti, va tirer directement. Dès le kick-off, dommage, c'est contré, il avait pas de boost bien évidemment. Il a tenté de fake un flick, mais c'était bien lu par Relaching Wave. Exotique sur le coin, Exotique est en passe 1. Exotique contre Cash. Itachi qui va se faire bump un peu mais il s'en fout. Exotique a eu le bump, le boost pardon. Itachi. Vatira qui est le dernier défenseur. Voilà Ching Wave qui saute pour faire un pinch. Petit flop. On y va Vatira. Cash a été démo justement par Exotique. Qui a le cadeau d'anniversaire. Le 50 de Cash. Itachi qui s'envole. Itachi en air dribble. Itachi qui va prendre sur les aides sur le ceiling. Il va pas pouvoir la retoucher. Il n'y avait plus de ressources. On va la laisser à Vatira. Vatira qui a pas de boost. Il va juste à la méga clear. Exotique qui arrive de très très haut. Il va tirer. C'est arrêté par Cash. Voilà, c'est bien. Ça commence directement. On y va. On y va avec la dalle. Vatira. Il faut se remettre quand même dedans. Eux, ils sortent du match, donc ils ont encore les mains chaudes. Ils ont encore tout ça, là. Il faut se remettre dedans. Vatira qui en va loin devant. On va aller chercher du boost. Ixo qui va prendre son temps, du backboard pour dégager. Il va essayer de continuer. Il va prendre son reset. Non, il va pas le prendre. Exotique qui en va très très haut. Exotique qui pré-jump. Il va essayer de contrer Cash. C'est pas possible, mais c'est pas grave. La touche de Cash, c'était pas incroyable. On va voler le boost pour Itachi. On va prendre une démo. Et on va laisser Vatira y aller. Vatira avec le ceiling. Est-ce qu'il peut trouver quelque chose? Il va chercher son premier reset. Vatira qui passe au-dessus, mais il va se faire bump. Bah ouais, t'es obligé de le bump, frère. T'es obligé de bump. Il est trop dangereux. Il fait trop mal à ta défense. Exotique qui vient de voler le boost. À Relaching Wave. Et voilà, il a 0. Du coup, Exotique va gagner la balle. Vatira contre Cash. Le 50, ça arrive middle. Itachi la frappe. Le capitaine qui va la mettre sur le backboard pour la retoucher. On veut plus dominer que tenter des frappes en ce début de match. Exotique qui passe au-dessus. Exotique qui va se faire bump. Mais cette balle, elle est dangereuse. Oh, le bump de Cash. Le bump de Cash, Vatira. Dommage. Il a pas réussi à la rediriger. C'est peut-être un open, mais bon, l'angle était compliqué. L'angle était compliqué tout de même. Le air roll shot qui passe pas loin. Attention, Ixo, il va en passer deux. Le bump. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien joué Ixo, mais c'est pas grave. On se remet dedans. On se remet dedans. Itachi qui s'est fait bump malheureusement. Exotique qui était battu dans tous les cas avec le bump. Parce que c'était Itachi de faire l'arrêt. Mais le bump est arrivé. Allez, on y va les gars. Le bump, Exotique. Exotique a le boost, hein. Il peut y aller, il va gérer son premier contre, Itachi, encore très beau contre, Exotique qui s'envole direct, c'est le premier en l'air, Exotique, c'est le premier en l'air, la frappe est arrêtée par Relaching Wave. Vatira qui va se retourner, Vatira qui en passe un, Vatira sur le backboard, il va trouver des bumps, est-ce qu'Itachi peut y aller? Non, il va trouver un pinch pour dégager cette balle, plus un contre pour Ixo. Cash qui va se faire bloquer, Relaching Wave qui envoie juste devant. On va bloquer pour Vatira. Vatira qui va se refaire bump, mais il va suivre la balle. Il a pas eu le boost, c'est un bug, wesh. Il avait le boost là. Itachi la frappe, ça va être contré par Relaching Wave qui avait déjà sauté. Et attention à Cash, c'est un 3v1. Vatira qui arrive à la sauver sans boost en 1v3. Itachi contre Ixo.
La balle elle retombe, va tira. On va revenir en défense. Attention, attention. Ils ont des grosses contre-attaques. Ils nous laissent le contrôle du terrain. Exotique, le contre qui va pas passer parce que la touche de Latin Wave est plutôt douce. Vatira qui s'envole. Vatira qui va laisser Itachi, dommage, t'es contré. Et attention à ce genre d'attaque parce qu'après derrière on a personne en défense. Mais c'est ce genre d'attaque qui t'offre des occasions et des buts à tous les matchs. XO qui passe au-dessus, il n'y a plus qu'Itachi, il n'y a plus qu'Itachi et ça va rentrer. Allez les gars, on se réveille, allez. Tranquille, il n'y a rien, premier match. On est un diesel, on est un diesel. On est un diesel. Ouais. Je vous ai dit, ce genre d'attaques sont très dangereuses. Parce que si tu marques pas derrière en défense, t'es dans la merde. Il faut vite trouver un clear, il faut vite trouver un contre. Mais regardez comme ils sont concentrés, regardez la rage qu'ils ont encore. Y a rien, ils savent que c'est rien. Il reste une 46, on va prendre le boost adverse. Vatira, la balle qui va drop devant les cages. XO backboard, qui va la dégager. Exotique. Exotique qui va pas pouvoir la toucher là-dessus. Vatira qui s'envole. Vatira qui va essayer de trouver un petit trou de souris. Il en passe deux, mais pas le troisième. XO qui va la mettre au-dessus d'Itachi. Exotique qui va attendre. Exotique qui va prendre le contre. C'est bien joué. Normalement, c'est à Itachi d'y aller. Itachi qui va attendre la touche. C'est Vatira qui va faire l'arrêt. Finalement, Vatira qui va se retourner. Vatira qui va la mettre au-dessus. Il a plus de boost. C'est à Exotique d'y aller. Exotique du mur pour Vatira qui va la remettre en bas pour Itachi. Dommage! Non mais regarde le jeu frère. Tu le sens frère. Les 3 man pass, attention Itachi la passe, la back pass qui était dangereuse mais c'est pas grave. XO qui a pas lu ça, Exotique qui peut la retoucher, dommage. Itachi qui va l'avoir, il va contrôler, il va s'envoler, il va se faire bloquer. Vatira qui va gagner son duel. Vatira qui va s'envoler. Vatira qui passe en dessous. On va laisser Itachi aller. Vatira qui passe au-dessus. Et Vatira qui vient inscrire son premier but dans ce BO. Dans ce match. Passe en dessous, au-dessus, à droite, à gauche. Et ça marque. Allez, 40 secondes pour aller trouver l'égalisation. On y va, c'est bon, on s'est réveillé. Exotique, allez, dès le kick-off peut-être. Exotique va trouver un petit pinch. Vatira qui s'envole. Vatira. On va pas pouvoir trouver d'angle, mais il va trouver une passe pour Itachi. La balle est contrée. Exotique qui va s'envoler. Et là, Vatira qui est revenu en défense. Cage qui attend devant les cages. Oula, attention, ce pré-jump était dur. Ça a bien commit là. Exotique qui s'envole. Exotique qui va se faire bloquer par la Ching Wave. Itachi, le capitaine. Le capitaine qui s'infiltre dans la défense et vient égaliser à 15 secondes. Regardez, oh, Exotique qui avait bump cash. Je l'avais pas vu en retombant de son play. Et il ouvre la voie à Itachi. C'est parfait. Il faut que je me calme, je vais jamais tenir le BO, sa mère. Cash qui va la décaler à droite, Exotique encore une fois. Très bonne touche. Malheureusement, il n'y a pas Vatira pour couper. Il était en défense. Il n'a pas eu le temps de venir aussi vite. Vatira la passe middle pour Itachi. Qui va essayer de la remettre pour Vatira. Cash qui va contrer. Exotique, est-ce qu'il va là? Oh, elle n'a pas touché le sol, mais c'est pas grave. Il va quand même gagner son duel. Et là, elle va toucher le sol. Overtime, on y va. Premier overtime. Itachi contre XO. Oulala, la démo. Relating Wave a du boost. Il va avoir un play à faire. Exotique, tu dois le gagner ce duel. Il va pas le gagner malheureusement. Mais Itachi, lui derrière, il va avoir la bonne lecture. Vatira qui va la décaler à droite. Vatira qui va la contrer. Passe middle pour Exotique qui va la toucher une fois. Il va avoir le temps de se retourner, mais pas le temps de la réajuster. Itachi qui envoie en l'air. Itachi. C'est bloqué par Relating Wave. Exotique qui va contrôler, back pass, il va prendre le boost, il va se retourner et aller prendre son duel. C'est fait un peu fake mais c'est pas grave. Exotique, très bonne démo, il se rattrape très bien. Vatira qui peut s'envoler, il a du boost Vatira, hein. Oh là là, ce qu'il est en train de faire à cash. Vatira, oh là là, tout seul. Dommage. Qu'est-ce qu'il a fait frère? Il en a passé deux, ça avait l'air trop simple, même Exotique était pas prêt. Attention, on a eu le boost. Pour cash, mais cette balle elle est clear. Vatira qui passe au-dessus, Vatira la double tape. On va la laisser à Itachi et ça va rentrer le capitaine qui vient nous apporter cette première manche. Vatira c'est trop. Mais Itachi qui a outspeed Relating Wave là-dessus. Et la frappe elle est imparable. XO il la touche, mais trop dur. 1-0. Oui, le mental dans cette équipe, voyez la solidité. Et on voit les tirs, hein. On est à 12 tirs.
On est à 12 tirs contre 5. Et on mérite. Two-thirds this roster really just want to get their first win, prove to themselves that they can do it. Allez les gars, allez les gars, c'est pas fini, c'est que le premier match. On reste concentré. C'est nous, c'est à nous. C'est à nous, c'est notre histoire. Quadrant, c'est magnifique, votre histoire est magnifique. Vous êtes arrivé en finale, faites un début de saison incroyable. C'est magnifique, mais votre histoire s'arrêtera là. C'est très bien déjà. Maintenant, écartez-vous et laissez le personnage principal prendre action. Laissez-nous. C'est à nous. Allez. Oh putain, c'est que la première manche. Je suis déjà comment, Vatira qui écoute très bien les instructions d'Eversax. Versax, il mérite son premier régional en tant que coach, il le mérite. Il le mérite. Un travail de fou tout au long de la saison dernière, tout au long de ce début de saison. Il le mérite. On le mérite. Allez les gars. Non mais là, arrêtez de dire qu'il insulte tout le temps, il insulte pas là. Je pense qu'il est juste en train de faire quelques ajustements. C'est juste sa manière de parler, t'as l'impression qu'il insulte, mais... Vous en faites pas, exotique. Au kick-off, ok. Cash qui va avoir le clear du backboard en air dribble. Mais il a plus de boost. Vatira très malin qui attend la fin de la touche de Cash. Il savait qu'il pouvait pas aller jusqu'au but. XO qui va prendre un reset. Ok, Psartek, le reset. Mais pourquoi faire? Parce qu'il y a exotique derrière. Je fais une touche, il passe Cash. Exotique qui vole le boost. Et là, on a une bonne position, c'est bloqué par le Chick Wave. La Chick Wave qui va pouvoir partir. Hein. Il a eu un bon contre. La passe qui est ratée au middle. On va la mettre pour Cash cette fois. Exotique qui va un peu fake la touche aérienne pour gagner son duel, récupérer le boost. Exotique contre la Chick Wave. Il va jouer le contre. Et là, il y a Itachi qui arrive derrière sur le backboard pour Vatira. Dommage, XO qui la dégage. On aurait peut-être dû y aller un peu plus vite sur cette action. On a essayé de prendre notre temps. NT. Itachi qui va décaler à gauche. Vatira qui va récupérer. Il s'envole. Vatira en air dribble. Exotique qui va la mettre au-dessus. C'est open, il me semble. Ouais, c'est open, il me semble. Il me semble bien que c'est open. Exotique qui vient mettre sa double tape. Ça fait 1-0. Allez. Semblait bien que c'était open. Semblait bien. On y va. Deuxième kick-off. Exotique. Très bon follow. On va voler le boost adverse et on va laisser Vatira faire son play. Vatira qui va passer en dessous. Vatira qui va se renvoler. Non, Itachi qui a tenté. Exotique aussi. Tout le monde y va. On s'en bat les couilles. Itachi qui va prendre un très beau contre là-dessus. Il va voler le boost côté opposé. Et on va se replacer. Exotique. Avec le mur, Exotique fait un début de match de malade. Vatira qui va contrôler backboard, il va jouer son contre, il va l'envoyer très très loin à Itachi. Il va pas essayer de contrer XO, on va laisser Exotique justement y aller. XO qui va le passer, mais c'est pas grave, voilà Chick Wave qui rate sa passe, qui rate la balle sur la passe d'XO. Itachi qui va clear, mais ça fait une passe en profondeur pour Vatira, il va se faire bloquer par la Chick Wave. Itachi qui va gagner son duel, il va regagner son duel. Itachi qui va retoucher la balle, il pré-shot tout, il est dans la tête de ses adversaires. Malheureusement, ça suffisait pas. Itachi justement encore qui s'envole, la double tape, Itachi. Non, c'est arrêté, juste en dessous de la barre. Exotique qui va se faire contrer par Cash. Itachi contre XO, il va le bump. Il a pas joué la balle, il a joué le joueur. Et au final c'est très bien, Vatira qui va pouvoir clear. Itachi qui s'envole, Itachi il la met au-dessus d'XO qui aura le temps en shadow défense de l'arrêter. Cash qui va essayer de repartir en contre-attaque avec une redirect. Mais poteau, lâche ça, c'est pas pour toi, c'est pas ton rêve celui-là, c'est le nôtre. Vatira, vas-y. Vatira qui va trouver un très beau contre. Et c'est encore open. Vatira, quel contre, c'est ça mon gars. Y'a pas de cadeau d'anniversaire mon gars. Le seul cadeau, c'est un contre et un but. Y a pas de cadeau d'anniversaire. 2-0, parfait. On est en place. Allez les gars, de 40 à jouer. Il continue. Exotique, petit pinch, tout doux. Va tirer encore un contre sur Cash. Va tirer à la passe pour Itachi, dommage. On a voulu faire l'Omega Break avec un 3-0. Très beau contre. Pour l'instant, ils sont un peu éteints en face. Et on joue très très bien. Exotique qui s'envole, il essaie de pré-shot le play de Cash, mais c'est pas grave. Il a cramé tout son boost, va tirer un très beau contre. XO qui va récupérer au milieu de terrain, il va essayer de la retoucher avec le ceiling, mais non, il va la laisser à Relating Wave. XO va mettre un très très long crochet pour rater son pinch. Allez, train un peu plus sur la map d'Eversax.
Itachi qui va se faire contrer par la Team Wave. Et attention, là on est sur une petite phase offensive de la part des quadrants, mais pour l'instant rien de bien dangereux. C'est géré, bonne défense de notre part. Voilà, Ching Wave pinch avec le ceiling, mais Vachira il a tout le temps du monde. Il a le terrain en face de lui, il le voit. Et là ils sont obligés d'aller le bump, c'est open et Cash qui vient réduire le score 2-1, une 41 à jouer. Peut-être que Vachira aurait dû trouver une petite passe sur Itachi en bas à gauche là. Le contre était bon pour les quadrants, ça a fait une passe. Mais c'est pas grave. Il y avait tout le terrain en face de lui. NP. On peut pas lui en vouloir. Exotique, qui va faire une passe pour Vachira middle. Vachira qui va rentrer, c'est à Itachi, voilà. Bien sûr, Itachi il y va. Voilà, Ching Wave qui clear du backboard. Vachira qui va décaler à gauche pour Itachi justement. Voilà, Ching Wave va couper la passe. Exotique qui va se rater un peu, mais c'est pas grave, c'est un fake. Vachira qui arrive derrière, la frappe, c'est arrêté par la Ching Wave. Exotique, ça va se faire contrer par Cash. Hein. Attention, Itachi qui va essayer de passer au-dessus. Il va essayer de trouver un bump, ok, très bon pinch, Itachi qui va foncer, tel un affamé sur cette balle. Il va essayer de contrer directement et c'est fait. Exotique qui arrive derrière avec le ceiling, dommage, c'est open ou pas? Non, il y a des joueurs au cage. Vachira qui va y aller en deux temps, petit crochet pour garder le ballon, parce que tirer directement ce serait le rang de la balle. Itachi qui a pas réussi à lire cette passe, c'est pas grave, 50 secondes à jouer. Exotique qui va retomber sur cette balle, voilà Ching Wave qui va partir du mur, mais il a pas énormément de boost. Il ne peut pas donner de vitesse à cette balle, il ne peut pas donner de vitesse à l'action. Et ça va nous permettre de défendre tranquillement. Itachi au middle. Itachi qui va jouer le contre. On va laisser Vachira y aller, mais c'est Relating Wave, le plus rapide sur la balle. Exotique qui va avoir un 1v1, c'est bon, c'est raté. Itachi qui va dégager très très haut, très très loin. Vachira dans la défense adverse qui s'infiltre. On va rien pouvoir trouver, Vachira qui va trouver l'arrêt. 24 secondes. Il faut garder cet avantage. Itachi qui va bloquer. Vachira, non, c'est exotique l'arrêt. C'est exotique. Itachi, il va l'avoir. Il est premier sur la balle de loin. Il va la clear très très loin. Exotique, il va l'envoyer encore loin devant. Itachi, regardez, il est sur le backboard. Il va trouver un bump. On va pas pouvoir trouver d'attaque. Si maintenant, Vachira qui y va. Il va essayer de contrer Cash. Il reste une seconde. Et si. Mais wesh. Oh. Oh. Voilà, c'est bon. Merci. 2-0. Oh. Le ballon est au sol, là, une seconde. Le rebond est passé avant la dernière seconde. Allez. Two more. Is what they're Tomorrow. Doing. It's working when Karmin Corp misplay, but when Karmin Corp are just playing their game. Time out pour les quadrants. Est-ce qu'ils vont pouvoir changer la tendance? Est-ce qu'ils vont pouvoir rebalancer ce match? Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? I mean, there's slight mistakes from Karmin Corp on every Let's single go. One of Quadrant's goals. Hey, Arsenal! That's not always a problem. There Let's go! Teams in the world who play off Let's go, bro! Pretty much solely for their offense, but I don't think you can do that against Karmin Corp. They're not making Putain, enough les gars. Mistakes for that voilà, to be là, il leur dit, déconnez pas, on est à 2-0. Il faut les tuer. You know, the teams that we've seen yeah, previously yeah. are something that we get to see every time they take to the field, but we saw what Quadrant's offensive plan is yesterday. Give it to Cash, Allez. Give it to Weeks, so get them to play off one another. And it's not available right now. Now I understand it's Halloween. Thank you season, for the sub gift, bro. Thank you, brother. Let's like go! On y va! On y va! C'est notre finale! Plus deux! Clear game. Every single time they clear the ball, one, Plus deux. Power. That's his own problem in amongst itself. But two, They're clearing it when actually they do have a little bit of time to control the ball. Allez, they are getting tranquille. Rid of it. And by then, Vatira, Itachi, Exotic, they've already moved back. They've got easy control of the ball because it's rolling. On va avoir le premier but d'Exotic. Il me semblait que c'était open. Rather than being awkward and je connais pas très bien le jeu, mais il me semblait que c'était open. Which Quadrant can try and capitalize on from there. They need ah, ça c'est dommage, ça c'est dommage. And not risk ça c'est dommage. KC quite as much for me. Yeah, it's going to be very interesting to see what they Johnny try boy. Here, you know, after going two games down, a lot of teams will try and really just look after the possession, look after the ball when they've got it, like Allez. It's their one and only prize position. Troisième manche!
Finale, une finale, ça se gagne. La première, on l'a pas gagnée. Mais justement, on a appris de nos erreurs. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'on doit prouver. Même si la saison va être encore longue, j'ai envie qu'on gagne ce régional. Attira. Attention, Cash qui va avoir la balle. Exotic middle. Il va l'envoyer très très loin. Haut, devant. Clear de XO du backboard. Itachi qui va surpasser Cash dans les airs. Attira qui essaie de trouver Exotic sur le côté gauche. Ça va être fait. Ça va être fait. Voilà, Exotic qui va encore jouer. Son contre contre XO. Ça fait une passe d'ess. Ça fait une passe d'ess. Et Exotic qui va forcer le CSC et trouver le premier but. Il était vraiment bien placé. Quelle intelligence de jeu ce mec. Il va pas jouer la balle, il va jouer le contre. Et elle retombe sur Cash. Et voilà. Tu voulais un cadeau, on te le donne. C'est ça le cadeau. On va te donner le cadeau mon gars. C'est ça que tu voulais. Putain, c'est ça qu'il me fallait, frère, finale de régional. C'est ma putain de dose qu'il me fallait. Allez, va tirer le deuxième. Dommage, c'est bloqué par Exo. Tachi qui s'envole. On sait que là-bas, il est très dangereux. Ça va fake un peu. Dommage, personne ne peut finir. Personne peut finir, c'est dommage. Il avait un peu fake tout le monde, Itachi. Exotic, la frappe directe, il sort d'où? Cash, qui arrive à sauver son équipe. Il sort d'où? Ça s'ouvre la Ching Wave. Bah, elle passe devant tout le monde. Non! Non, je sais pas c'est qui l'a retouché pour la mettre dans l'axe. Mais c'était Ah non, elle a rebondi sur le poteau. Ah. Je pensais qu'elle allait glisser moi vers le côté opposé. Mais elle a rebondi sur le poteau et ça a fait une passe D. Tachi, attention Exotic, il faut s'envoler. Il va la décaler à droite pour Vatira. Vatira, la passe pour Itachi. Attention. C'est un peu brouillon là au milieu de terrain. XO qui va l'emmener sur un coin pour essayer de garder la possession de la balle. La frappe et ça fait 2-1. Ok. Calme, on se calme s'il vous plaît. On se calme, tranquille. Il y a absolument rien. Là c'est le moment où Vatira, il va nous faire un play 1v3, il va trouver l'égalisation. Puis Itachi va finir le match d'une frappe croisée. On le connaît, on sait ce qui va se passer. On sait, calmez-vous les gars. Pas de panique. Voilà, Ching Wave, c'est contré par Exotic. Heureusement ça frôle le poteau au kick-off. Exotic va prendre son temps. Petite marche arrière. Attention, Cash, Vatira qui va dégager. Exotic qui s'envole. Il va gagner ce duel. Itachi. Le dégagement de Ralaching Wave. Il va retomber sur cette balle, mais il y a Vatira qui va lui mettre un petit crochet. Il va passer côté opposé. Petit pinch. Vatira qui va essayer de recontrer. Dommage. Je crois qu'il avait, il avait plus de boost pour suivre la balle. Exotic 1v1. Non, il y a Vatira qui arrive. Exotic 1v1. C'est raté par Cash. C'est raté. Tu vas pas rentrer mon gars. Tout était bloqué. Itachi qui va passer. Exotic qui arrive. Dommage, il va tirer en défense. Il va pouvoir se retourner. Il va se faire bump instantanément. Mais il va prendre le boost et il va y aller. Vatira. Le bump. Très bon bump. Itachi qui arrive derrière. Qui tire. Exotic, c'est à toi de jouer. Non, on va laisser Itachi. Non, c'est Exotic qui va y aller. Vatira qui va la pop. Itachi qui arrive. Dommage, ouais, il a pas pu lire la passe d'Exotic. Exotic qui va la mettre devant pour Vatira. Regardez, Vatira qui s'envole. R, Vatira, dommage. Itachi qui arrive derrière. Itachi qui va la mettre en bas. Attention. Itachi qui va un peu se faire fake là-dessus. Exotic qui va la mettre haut devant sur Itachi. Itachi qui va la mettre très très forte. Il y a une double tape là. Il y a une double tape et ça va rentrer. C'est son anniversaire, je suis dégoûté frère. Arrête, impossible à arrêter là. C'est quasi open frère. Ah, il a pas de boost, c'est vrai, il a pas de boost. Bah, il peut pas, frère. Il est en free play. Allez, les gars. C'est le kick-off. Bah, il se réveille un peu les quadrants. Oh, la démo, elle est dure, celle-là. Itachi. Va tirer, c'est à toi d'y aller. Voilà, bien joué. Avec zéro de boost, tu arrives à très bien la contrer. Il y a du temps encore, hein. Il y a énormément de temps. 2 minutes, c'est énorme sur Rocket League. 2 minutes, c'est énorme pour attraper 3 buts. C'est énorme, vous en faites pas. Allez, se remet dedans. C'est pas fini. Dans tous les cas, il y a 2-0 dans le BO. Mais cette game, elle est loin d'être finie. Va tirer encore devant. C'est bloqué par XO. Là, il commence à se réveiller, faut pas leur donner trop de confiance non plus. La frappe, c'est arrêté par Exotic. Il y a Cash qui arrive derrière, la passe. C'est arrêté encore une fois par Exotic. Voilà, ça part de là. Itachi, il va la mettre loin devant. Vatira, est-ce qu'il peut s'envoler? Non. Exotic qui revient en défense. Et là, on nous vole tous nos boosts. On a zéro.
Oulala, là là, attention, Vatira qui va la mettre au-dessus. Vatira. Vatira qui en passe deux. Itachi. Itachi qui a 1v1. Exotic qui va chercher le bump. Itachi s'est bloqué par Cash. Il a eu le temps de faire le tour. Il a eu le temps de faire le tour. Exotic qui pouvait pas le chasser. Vatira. La passe pour Itachi. Oh dommage, ça passe juste au-dessus. Exotic la passe pour Vatira. Côté droit. Il a eu le temps de prendre le boost. Exotic qui va reculer. Vatira qui va. Ixo qui va dégager cette balle. Une minute à jouer, une minute. Par contre là, si on veut revenir, il faut trouver des buts très très vite. Hein. Voilà, Ching Wave. Vatira qui va contrer. Vatira qui va essayer de recontrer, mais c'est dur. Itachi qui va pouvoir l'arrêter. Itachi qui envoie devant, en air dribble. Vatira. Belle passe. Mais bon, il y a plus trop de temps. Ixo qui a un peu fait avec Exotic, mais Vatira qui va le bloquer au milieu de terrain. Voilà, Ching Wave, il a tout le temps, il va prendre un reset. Il va y retourner. Ok, c'est pas grave. Ce match, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Ce match, c'est pas grave. Faut rester carré, y'a rien. Ils ont eu leur match, y'a pas de problème. Ils ont eu leur match, y'a pas de problème. Ça fait 2-0, là, bon, 4 buts en 48 secondes. C'est Rocket League, c'est possible. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire. Ok, oh, le bump sur Exotic, dommage. C'était but sinon. Et sur un kick-off goal, tout, on peut rêver. Hein. On peut rêver. Hein. Le clear, elle va être touchée. Ouh là là, la double tape pour la sauver. Itachi. Vatira qui s'envole. Allez, 25 secondes. Ça va être bizarre pour rattraper ce match, mais c'est pas grave. On se focus sur le match d'après. Le pinch. La démolition, Itachi. Allez, il faut qu'on rejoue. Au moins sur la fin du match, voilà, qu'on retrouve des occasions, qu'on retrouve des passes, qu'on retrouve des trucs. Il faut pas faire comme la dernière fois où les deux premières games on était impériaux et après on s'est un peu éteint. Allez, c'est pas grave. On se remet dedans. On se remet dedans. Timeout de Versax. C'est très intéressant. Très intéressant ce timeout. Souvenez-vous la dernière fois contre Oxygen. Début du BO, on était impériaux. Et juste avant que le match commence, je suis parti un peu les voir pour les motiver. Et justement, Versax, il leur disait, souvenez-vous, on était bien au début du BO. On était bien. Et après, vous avez commencé à perdre un peu le fil du match, etc. Là, c'est pas la même. Parce qu'on l'a déjà vécu. On a l'expérience. Ah, c'est Vatira qui parle. Allez, les gars. Vatira aussi, là, a l'expérience. Il en a gagné des régionaux. Après, il débite, là. Laisse voir ça se parler un peu. Laisse Eversax parler, wesh. Après, s'il dit des trucs, c'est qu'il avait des trucs à dire. Vas-y, coach. Non, tranquille, il écoute ce qu'il a à dire, y'a rien, normal. Normal. Voilà, c'est bon, ça repart. Bon, écoutez-moi bien, hein, vos grands-mères maintenant. Vous allez voir ce qu'on va leur faire, c'est simple. Vatira, toi, tu mets des doubles tapes. Exotic, tu vas sur tous les 50. Itachi, laisse parler tes mains. Essaie pas de réfléchir, ok? Et c'est comme ça qu'on va gagner. Vous ne cassez pas les couilles et on y va. C'est ça qu'on va faire, ok? C'est ça le plan de jeu que j'aurais donné moi à l'équipe. Allez, 2-1. C'est une finale, hein. Fallait pas s'attendre à ce que ce soit facile. Personne n'a dit que ça allait être facile. Personne n'a dit que les quadrants étaient faibles. Personne n'a dit qu'ils étaient nuls. Parce que c'est pas vrai. On nous offre un gros match. Allez, ça va redémarrer les gars. Désolé, j'ai pris quelques secondes pour un peu reposer ma voix. Ça s'arrête jamais Rocket League. Quand ça commence, pendant 5 minutes minimum, tu dois débiter. Hein. Ça s'arrête jamais. Attention, le kick-off là, il démarre mal, mais bon, c'est un kick-off. Voilà, va tirer, il va contrôler, il va partir en air dribble depuis le backboard. Il n'a pas énormément de boost, on va laisser Itachi. Allez, Vatira qui va chercher le bump, mais Relating Wave a eu le temps de revenir, dommage. Dommage, on aurait pu trouver potentiellement un premier but là-dessus. Itachi, très beau contre, ça.
Très beau contre, il va la retoucher, il va la mettre au-dessus. Il va forcer les trois joueurs des quadrants à être sur le coin gauche. Voilà Chingwave qui s'est fait bump, mais il a quand même pu aller sur la balle. Très beau contre encore une fois de la part d'Itachi. Vatira qui va s'envoler. Vatira qui va la toucher une fois. Exotique qui va pouvoir tenter une frappe. C'est bloqué par Cash. Itachi qui va drifter pour la remettre sur Vatira. Qui va tirer sur le backboard. La Chingwave qui va la bloquer. Est-ce qu'on a Exotique ou quelqu'un qui peut venir? Non, c'est Vatira qui va retourner. Exotique, voilà, il y va. Parce qu'il était de ce côté-là, si je me souviens bien. Dommage. Vatira qui en passe un, Vatira qui va contrer la balle. Ça c'est magnifique ça, ça c'est magnifique. Ça nous fait gagner du temps, regardez, il a le temps d'aller chercher du boost, de se repositionner. Itachi, double commit là, double commit. Mais il y a XO, hein. Il y a XO, la passe pour Vatira, c'est bloqué par Latching Wave. Passing field, non. Attention. Latching Wave, Exotique qui passe au-dessus. Le contre, il va côté opposé. Mais il n'y a personne sur ce côté opposé. Vatira qui s'envole, c'est le plus rapide. XO qui va arrêter cette balle. Pour l'instant, il n'y a pas trop de danger dans cette game. Exotique, mis à part la frappe d'Itachi. Sur le bump de Vatira. Itachi. Il va passer au-dessus, Vatira. Il a esquivé le bump. Il a esquivé le bump. C'est très bien joué, ça. Parce que s'il se faisait bump là-dessus, il y avait potentiellement but. Itachi qui va jouer le contre. La frappe d'Exotique, ça va être arrêté par XO. Attention, Vatira qui après jump. Il va contrer XO instantanément. On va pas le laisser jouer. On va pas le laisser respirer. Attention, non, le contre qui va directement dans les cages, la chatte! La chatte avec sa voiture toute longue! Après, le contre, il était maîtrisé, le contre était maîtrisé. Le contre était maîtrisé, mais bon, ça aurait pu finir sur le backboard, non? Ça aurait pu finir sur le backboard. Allez, les gars. Allez, les gars. Il faut qu'on retrouve un but là, il faut qu'on retrouve quelque chose parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas crié, qu'on n'a pas eu un peu un petit cri de rage. Attention, ça passe au-dessus. Exotique, il a le temps de contrôler cette balle, non, il va y aller au-dessus. Il va bloquer Relaxing Wave, la frappe, c'est arrêté par Itachi. Ça c'est important, parce que ce deuxième but, il peut nous shut down dans cette game. Exotique, il va passer, on va la laisser à Itachi, très beau contre, Vatira qui s'envole, j'ai entendu, mais non, c'était pas lui, c'était Relaxing Wave. Je suis dégoûté, frère. Vatira, voilà, c'est bien. Allez, les gars, il n'y a que 1-0, il n'y a rien. Voilà, Itachi, capitaine, c'est à toi de nous montrer. C'est à toi de leur montrer la voie. Allez, Vatira, il a du boost. Non, le bump. Sur les setups comme ça, il est trop dangereux en plus. Pourquoi tu bump, frère? Exotique qui passe au-dessus. Non, il allait nous faire rêver là-dessus. Dommage, le bump, le contre qui passe pas. XO qui l'a pas mis assez haut de cette balle. Itachi qui va passer. Itachi qui va contrer Relaxing Wave. Itachi qui va se retourner pour faire une passe pour Vatira. Middle, Cash qui va être plus rapide. Relaxing Wave aussi plus rapide. C'est à Itachi de faire l'arrêt normal. Mais le problème c'est qu'il est dur cet arrêt. Il est dur. Il y a eu un bump, Itachi. Itachi, il y a quelqu'un dans notre défense là. Donc ils étaient deux en défense en face. Attention, démolition sur qui? Sur Relaxing Wave d'Itachi. Itachi qui va sauter. Itachi qui va redirect cette balle. Non, elle passe juste avant. Non, pourquoi le rebond il est pas cadré, frère? Le rebond il doit être cadré là. Allez, Itachi, c'est contré par Relaxing Wave. Vatira backboard qui va prendre son temps. Il va en passer un, Vatira. Itachi qui cherche le bump. Itachi qui offre l'open. Vatira qui vient égaliser. Regardez, Itachi directement. L'intelligence de lui, le chasser déjà avant. Lâche ça, frère. Lâche ça. Enlève tes pattes. On y va. Une 32. Attention. XO qui va se l'emmener. Vatira. XO qui va en passer deux. Mais pas Itachi. Tu passeras pas le capitaine. Tu passeras pas le capitaine. Relaxing Wave qui va la toucher. Ça va prendre le back boost. Ouh, on se rate. Relaxing Wave est obligé de revenir en catastrophe. Hein. Dommage, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il se rate autant. Itachi. La passe. Oh là 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 là. Heureusement. Exotique qui fait l'arrêt. Ça s'est retourné contre eux puis contre nous. Parce qu'on s'y attendait pas du tout à ce qu'il se rate autant. Et ils font des bonnes démolitions en passe. Hein. Itachi qui l'envoie loin devant. Il a pas de boost dans tous les cas. Il y a pas de setup de double tap possible. Pas de air dribble, rien. La frappe, Exotique, merci. Attention, il arrive encore. Ah, il va la placer, il a tout le temps pour la placer, ça fait 2-1. Il a tout le temps. Ouais, il fallait de l'aide. On avait besoin d'aide là-dessus pour Exotique.
Allez les gars, allez les gars. Mais j'ai vu, ils viennent de crier là, juste après. Ils se remotivent, ils sont pas en train de s'éteindre, loin de là. La team wave, le beau contre. Itachi pour Exotic, c'est bloqué. On va dégager cette balle, Valkyra qui va passer au-dessus. Itachi, il va prendre le boost. Itachi le capitaine. Itachi le reset, il va passer au-dessus. Pour Vatira, ça passe juste au-dessus. Exotic ne peut pas revenir. Non, c'est Itachi qui va la retoucher. Vatira qui va perma bump. La rule one. Ils vont pas bouger de là-bas. Exotic. Il a lâché la rule one. Non, elle rentre pas. Je crois que c'est Itachi qui la touche. Exotic. Non, elle est clear cette balle. Non, Vatira. Oh putain, c'est pas grave. Y'a rien, 2-2, on a un BO. Il a cassé la rouloine en face. Il va le payer. On est moins bien dans le jeu. On est moins bien qu'au début du BO. Il a cassé la rouloine quand il a vu que la Exotic il était en air dribble tout seul. Il a cassé la rouloine. La rule one, c'est une règle de la street de Rocket League. Il y a une certaine situation dans le jeu où tu te retrouves en face d'un joueur en 1v1 et les deux accélèrent. Et tu peux faire ce que tu veux, tu veux pas partir à part si tu sautes et tout. Et donc quand ça arrive, tu dois pas lâcher, tu dois laisser tes teammates se battre. Et là, il a cassé la rule one en face. C'est un tête à tête quoi. Et après tu laisses tes teammates en 2v2, c'est comme ça. C'est la règle. Je crois que c'était qui était en rouloine contre Vatira, c'était Relative Wave, non? Un discours. Bah là, il n'y a plus de timeout, c'est ça le problème. Là c'est bonne chance, là. C'est les joueurs et bonne chance. Et il peut leur parler entre les games. Lâché qui passe au-dessus. Exotic qui passe au-dessus. Vatira qui arrive, c'est contré par Cash. Exotic, Itachi qui arrive. Itachi, non, il pouvait pas la toucher, Vatira. Il a hésité à la toucher pour justement bait l'arrêt adverse. Mais c'est une décision pas facile. Vatira, Cash qui va la retoucher. Elle passe au-dessus. Exotic. Ça pouvait pas être trop facile, on pouvait pas 4-0. On est obligé de stresser un peu, on est obligé. C'est ça la K-Corp. On est obligé de stresser un peu. Attention, Relative Wave. Vatira qui va bloquer. Exotic. XO qui va la dégager, Itachi. Devant. Relative Wave qui crame pas mal de boost pour faire une backpass pour Cash. Mais Vatira il avait tout lu. Itachi qui la met sur le backboard. Itachi tout seul. Exotic il peut pas finir, non. Elle a été sauvée. Oh la chatte, frère, ça y est, frère. Elle veut pas rentrer cette balle aussi. Vatira, on y va. Loin devant. Exotic il pouvait avoir cette lecture, mais Vatira, il va l'avoir la lecture. Comment il vient d'où, frère? Il était juste à côté, il a vu l'erreur de XO et il a puni juste derrière. On aime ça. Itachi. Et là c'est peut-être le réveil. Itachi la frappe, ça va être arrêté. Relative Wave avait tout le temps du monde pour l'arrêter, hein. Mais bon, on est obligé de vibrer mon gars. Exotic il envoie devant. Allez Itachi qui va prendre le back boost. Va laisser le mid boost pour Vatira, Itachi qui va s'envoler. Mais il était un peu loin par rapport à Cash. Vatira qui va prendre son temps, Vatira qui va se faire démolir instantanément. Ah vous chiez dessus. Itachi qui est dans la défense adverse, tranquille. Exotic qui va mettre un petit rebond avec le mur. Cash qui va la décaler à droite. Mais à droite il y a Itachi et Exotic. Attention au milieu, Exotic open. Non c'est pas open, c'est 1v1. 1v2 parce qu'il y a Cash qui revient dans le dos. Vatira qui va passer, Vatira qui va la retoucher, la passe pour Itachi. Itachi qui essaye de trouver quelque chose, mais on est les trois devant le but. Là, il nous aurait fallu quelques bumps, mais il n'y avait pas trop d'occasion. Exotic va prendre le reset sur le ceiling, il va bloquer Cash. Enfin, il va se faire bloquer par Cash plutôt. Itachi qui va y aller, il va mettre très très fort au milieu. Il va y aller tout seul, il va se l'offrir. Dommage, c'est arrêté par XO, in extremis. Vatira, la démolition d'Itachi. Itachi qui cherche double bump. Dommage. Cash qui a réussi à s'immiscer encore une fois. Le pinch pour passer Cash. Exotic, c'est bien joué. Et en plus, il peut retoucher cette balle parce que le pinch, il est pas allé trop loin. On est arrivé d'Itachi en 1v1 contre la Team Wave. Itachi la passe pour Vatira qui va contrôler. Il va pas tirer directement. Dommage. Voilà, Team Wave va encore du boost pour aller chercher cette balle.
Itachi loin devant, il a encore du boost pour la retoucher, mais non. Cash était déjà dans les airs. 2 minutes 14. Exotique contre Relating Wave, c'est contré. Vatira en marche arrière. Il va se retourner, Vatira. XO. Attention, elle est dangereuse cette balle, elle est dangereuse. La back pass, elle n'est pas redirigée par, par Vatira, mais il y a Itachi. Itachi le bon pinch, celui-là il est bien. À moins que il rebondit trop vite sur le ceiling. Attention, attention, attention. Itachi, faut y aller. Voilà, Itachi, très bon contre. Dommage, il est pas cadré. Allez, allez, Vatira. Vatira, 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 la passe pour Exotique. Vatira, la passe pour Exotique, s'arrêtez par Exo. Vatira encore. La passe pour Itachi. Itachi qui va frapper directement. Mais là, on a des joueurs dans les cages pour les quadrantes. Il reste 1 minute 33. Vatira, attention, Itachi. Itachi est là, Itachi est là. Il va pouvoir la dégager loin. Sur Vatira en plus. Il relance bien, il relance sur une passe. Le méga clear de la part des quadrants. Exotique qui va contrôler. Exotique qui va pas pouvoir crocheter XO au milieu de terrain. Cash. Il va essayer de la jouer en double tap. Il va la toucher, mais pas cadré. Exotique. Exotique avec le sol. Exotique. Il va rush le boost. Mais XO était plus proche. Attention, une minute de jeu. Une minute de jeu. Oh là là, Vatira! Quelle lecture défensive! Vatira, dommage. Exotique, ça passe à droite. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Allez bordel. Va tirer à compte cash. Voilà Ching Wave qui se retourne. Exotique qui est en bloc 2. Itachi, le capitaine, dommage. Il a essayé de s'immiscer dans cette action justement. Il va trouver une démo et il va laisser Vatira faire son play. C'était une frappe directe arrêtée par cash qui était sur le backboard. Et là ça démolit à balle. Hein. Ça démolit à balle et à raison. Itachi qui peut s'envoler. On va chercher un bump, non, on va chercher une passe pour Vatira. On va la mettre très très haute. Vatira! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là là! Comment il peut rattraper cette passe, frère? Comment il rattrape cette passe? À la base, moi je me suis dit, Itachi l'a mis très très haute pour surpasser le joueur de quadrante. On va la mettre dans le camp adverse et on va la jouer tranquillement. Mais non! C'est une passe normale chez nous! C'est une passe normale! Vatira. Vatira qui va contrer. Même si le début était un peu inquiétant, mais ça va. 9 secondes. Allez. Itachi. Attention, attention. Exotique qui va la faire rebondir contre le backboard pour la dégager. Et c'est bon. Plus qu'une, les gars! Plus qu'une! One more! One more! Plus qu'une! Non, c'est trop. C'est trop. Allez les gars. Mec, y a pas eu beaucoup de tirs, de gros tirs, de gros moves de la part de Quadrant cette game, ce qui est en train de dire le caster américain. Américain, je suis en de Rocket League. Allez, plus qu'une, les gars. Terminez-moi le travail. Terminez-moi le job. Terminez-moi le travail. On finit. On finit. On finit. Là, j'aime pas cette map, les gars. À chaque fois qu'on joue sur cette map, c'est bizarre. Allez, on y va. Vatira contre XO, il passe. Exotique qui passe au-dessus du backboard. Exotique qui continue de passer au-dessus. Exotique qui va contrer Cash. Itachi qui s'envole. Itachi qui va se retourner. Itachi qui va la retoucher. Non, Cash qui va revenir. Cash qui va revenir. Bon retour défensif. Exotique middle qui va gagner son duel. Oula, attention, attention à cette balle fuyante au milieu de terrain. Aux abords de la surface, Vatira. XO contre Vatira. Il va laisser Itachi y aller. Itachi qui va en passer un. Itachi qui va en passer deux. Il va faire une passe pour Exotique. Il va la mettre loin devant. Itachi qui va continuer de faire chier, je pense. Non, il va revenir en défense. Vatira qui s'envole normalement là, non? Eh oui, Vatira qui s'envole. Eh oui, je connais mes joueurs. Eh ouais, je connais. Exotique. Exotique qui va en passer un. Allez, les gars, allez, 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 allez. Vatira, au contraire. Et ok, parce que c'est Exotique, il est tout seul, il a tout le temps du monde. Il va se faire contrer par XO. Par contre, Itachi, démarrage au milieu de terrain, la frappe, dommage. Relative Wave qui a le temps pour l'arrêter. Vatira qui s'envole. Vatira, dommage. Il est parti chercher le bump.
Mais Exo a pu toucher la balle avant de se faire bump. Je crois qu'il voulait jouer le contre à la base, mais au final ça s'est transformé en bump. Exo qui va relancer, c'est bloqué par Exotic. Allez les gars, allez, 3:39 à jouer, 0-0. On est sur un match un peu mitigé, il n'y a pas eu de grosses occasions de part et d'autre. Tachi, il va gagner son duel face à Exo, Exotic, la frappe très puissante. C'est arrêté par Cash. Va tirer à le 50, attention, il y a Itachi, heureusement, milieu de terrain, pause. Relative Wave à déco, c'est pas chez nous. C'est rare les pauses sur Rocket League, c'est rare. Mais au calme. Yeah, it's a good point. He can't see Relative Wave anymore. He's gone. Yeah, I think it's not looking great. Il y a moyen que son PC il est crash. Obviously, Relative Wave will get back to the match, then it's gonna look better. But this is not what they want. They want. Ils ont pas l'air. Ils ont pas l'air au max là. Faut en profiter là. Teams where everybody's taking their turn going for the ball, and then it comes down to controlling 50-50s, controlling challenges, timing challenges. How you know timing? C'est Sefi le coach. As you come in behind a teammate. Or who's challenging cheaty have a ah. En vrai, je pense qu'il n'y a aucun script qui peut cheat à très haut niveau sur Rocket League. Je vois pas ce que tu peux faire, frère. C'est tellement d'adaptation à la microseconde, je sais pas si ça existe. Mais bien évidemment, ils vont pas le faire, mais c'est un jeu où, frère, comment tu peux, en fait, avec la communication, avec les passes, avec tout, ça peut pas exister au top niveau. Ça existe, ok, bah. Je serais toujours surpris par les développeurs. On n'a pas le droit au bonheur. Qu'est-ce que tu me racontes? On n'a pas le droit au bonheur. Qu'est-ce que tu me racontes? On n'a pas le droit au bonheur. On est dans un BO7, on est en train de gagner. Comment ça, on n'a pas le droit au bonheur? Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? On est qualifié au Major, au deuxième régional. On est premier en Europe. Tu me dis, on n'a pas le droit au bonheur. Tu veux quoi de plus, frère? Tu veux quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus, mon frère? Manger un billet. Oh, dis-lui, Tix. Il veut quoi de plus, le Tix? Je sais pas ce que. Qu'est-ce qu'il veut de plus d'équipe Rocket League? Il peut rien faire de plus, là. La LEC. Mais on est sur Rocket League, les gars. Ça arrivera un jour. Allez, ça repart en kick-off. Pas de kick-off goal, à part si c'est pour nous. C'est eux qu'on déco. Donc on mérite. Ok, il n'y aura pas de kick-off goal. Vatira, il va la mettre au-dessus, le bump. Oh, dommage, Exotic qui est venu chercher cette lucarne. Itachi le pinch. Cette balle, elle va glisser sur le backboard. Mais elle va être clear par Exo. Itachi, très bonne démo. Exotic qui s'envole, il va se faire bump, dommage. Pas le temps de setup son play. Après, le setup était pas exceptionnel, je crois. Le reset, c'est bon, il y a Vatira qui a fait son retour défensif. Itachi, regardez-le. Itachi qui va faire la passe pour Vatira. Et trouver le premier but! Non, Itachi, regardez, tout le monde aurait tenté son petit play, mais non! Il a fake pour Vatira! Alors qu'il avait déjà sauté depuis! Non, pas. Ok, bien joué, Itachi! Capitaine! Allez, Itachi qui passe au-dessus! Ixo, il envoie loin, elle rebondit, Vatira qui envoie. Vatira qui a eu le boost. Hein. Attention, Relative Wave, il a un bon play à faire. Exotic, l'arrêt, Itachi qui la met sur le côté. Allez. Vatira qui envoie devant pour Exotic. Dommage, il a pas pu la rediriger. Exotic qui va changer de côté. Vatira le contre. Il y en a deux qui ont sauté. Itachi la passe pour Exotic. Et qui va trouver le deuxième but. Quelle passe la part d'Itachi. Ils ont sauté à deux, quelle erreur. Et Itachi qui punit direct la passe pour Exotic, qui est placé dans l'axe et qui va placer cette balle en contre-pied parfait. Allez, 2 minutes à tenir. C'est quoi 2 minutes dans une vie, frère? Cash, Exotic, il peut pas retomber sur cette balle. Attention, cette frappe, elle va loin. Vatira qui va bloquer une deuxième fois. Non, il faut trouver un but. C'est depuis le kick-off, juste ça me casse les couilles, le kick-off. Y'a rien. Putain! Allez, 2 minutes à jouer.
Exotique. Ok, c'est bien exotique. C'est très bon dégagement exotique. Exotique. Exotique, oui, c'est magnifique le contre. Exotique. Tout seul contre les droits. Non. Non. Tout seul. Il vient nous apporter de la sérénité. Regardez comme il est calme, wesh. Il est tout calme. Il vient nous apporter ce calme à nous aussi. Attention, pas un kick-off goal encore. Un V1 sur le kick-off. Vatira qui va bien évidemment le remporter. Exotique. Le arrêt. Vatira qui va contrer encore une fois. Il reste qu'une minute 45. Il y a 3 minutes. Il restait 2 minutes, frère. Vatira qui va bloquer encore. XO là. Vatira. Vatira encore une fois l'arrêt. Vatira qui va bloquer. Itachi qui va contrer. C'est à Exotique d'y aller. Exotique qui envoie fort devant. C'était cadré. C'était cadré. Vatira, il va revenir, il va contrer le pinch. Attention, cette balle elle est dure, mais Exotique qui avait déjà pré-jump. Exotique qui fait une fin de match miraculeuse, incroyable. Il est partout, on attaque, en défense. Exotique, attention, Itachi backboard. Le temps avance par contre là, il reste une minute. Allez, Vatira, tu peux t'envoler. Il a pas de boost, Vatira. Il a pas de boost. On va la faire pour Exotique. 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 Il l'a fait. Il est rentré dans sa tête. Il est rentré dans sa tête. Il est rentré dans sa tête. Il a dansé la samba dans sa tête. Regarde, là, il danse son cerveau. Il danse. Il danse. Il va pas la toucher. J'ai pas besoin de la toucher, frère. J'ai pas besoin de la toucher. Je t'ai fait croire que je vais la toucher. Mais la vie de ma mère, je la touche pas. Ça fait 4-1. Et là, on peut respirer. Ah, là on peut respirer. Non, non, laisse-moi respirer, Itachi, merci. Laisse-moi respirer, frère. Laisse-moi respirer, frère. Lâche ça, frère. C'est pas pour vous, c'est pas votre rêve. Ce n'est pas votre rêve. Voilà, on va le laisser, tu vas pas me bump, Exotique. Il va aller chercher son A1. Serein, calme, serein, il va même la retoucher et la mettre hors de danger, cette balle, parce qu'elle avait rebondi devant les cages. Vatira, 30 secondes. 30 secondes, on peut pas prendre 3 buts en 30 secondes. On peut en prendre un, c'est pas grave. On peut en prendre un. On peut en prendre un. Thought with the way this game was going, surely Vatira would just sneak that one into the corner, but it stays in the goal. On peut en prendre un, les gars. Non, la démo, il y a quelqu'un en défense, il est taché. Voilà, on voyait très très loin, Exotique qui s'envole. Très beau contre de l'appareil d'Exotique. Exotique, qu'est-ce que tu nous fais? Exotique, il dit non. Il a dit non. Il a dit non. C'est 3 buts toujours qu'il faut trouver. Il est malade. Il a dit non. Il a dit non. Il a dit aujourd'hui on gagne. Aujourd'hui on gagne. Aujourd'hui on gagne. I think that's a very good way of describing most teams' experience up against KC, allez. Which is quadrant did 10 secondes. Vatira qui s'envole. Les amis, c'est fait. C'est fait. Exotique, il va en rajouter un. Il veut les tuer. Arrête, Exotique, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Il veut les tuer, c'est terminé. C'est fini, 6-2. 6-2. Arrête, tu vas les tuer, Exotique, arrête! Il reste 2 secondes! Lâche ça, même lui, il vient la récupérer. Ils veulent encore marquer, ils veulent encore marquer. Let's go! Ouais! On est champion! Let's go! Quelle équipe! Deuxième au premier régional! Et le deuxième régional, on vient le gagner! La meilleure équipe du monde! Là, je vais aller laisser les armes en main. I'm sure the desk will have that information for you. As a major team, it's happening for this lineup. But not enough today. Karmi Corp just too well rounded. And yeah, the goals really did get ugly at the end there. Started this Karmi Corp, or rather, yeah, started to run up the scoreline just a little bit. Happens. We were trying to come trying to push for the comeback. Yeah, quadrant, there are more levels to find. They will know that. But it just seems like as Quadrant found the answers, Karmine Corp changed the question. Second place last time, first place in the full cup. But Europe at the moment now, Johnny, Karmine Corp are that team. The ones that will go in as the favorites for our invitational. Very rightly so.
because they are just so solid. There is nothing for free against this team. And even when you figure them out, we saw in the last two games, it just was completely different. It was right back to the same sort of dominance. There are not many teams that have got that ability just to switch everything up in a way that does not disrupt their regular play style. Yeah, it's fantastic to see. And, you know, Carmin Corp, they've had so many questions asked of them, changing two players from a very successful spring split last season. But all those questions have been answered. All of the haters have been shut up, and now they're just the team to beat. So what a run as well. BDS in the quarterfinals, Moist in the semifinals, and now Quadrant, who are on an absolute tear through this tournament, undefeated. Carmin Corp, whole world must be watching. Well, we have had a fantastic time with you, the full cup, to round out today, Leaf in the Desk. And I had a fantastic time listening to you. Incroyable. Il va y avoir une interview là. Et après, on va les ramener ici. Good job. Claps all around her. Oh, I'm frozen. And James Bond and incroyable. Why am I frozen? Quel match, quel final. I don't know why I'm frozen. Unbelievable. Where's that come from? That is one of the luckiest at least it froze on a gray frame. Look at that. That's impressive. I don't want to fix it. That is just, it looks like it was planned. Hi, everyone. This is me coming from the place of being frozen, apparently. Cool. Beautiful smile. The James. Let's go, les gars. Let's go. La meilleure équipe Rocket League du monde. C'est notre premier régional gagné. Et c'est loin d'être le dernier, moi je te le dis, moi. Let's go. Major, régional gagné. On mange. Y'a un mec Major, on n'a pas le droit au bonheur, frère. Tellement le droit au bonheur, frère. Tellement le droit au bonheur, mon gars. Gardez la rage. Oh putain, c'est tout droit maintenant. Il va falloir que tu travailles, les gars. Il va falloir que tu travailles. C'est que le début de la saison. Faut pas se relâcher. Incroyable. Let's go. Comment il fait chaud dans la salle de stream. Eh, il fait trop chaud, sa mère. Il fait trop chaud, sa mère. Je m'en bats les couilles, voilà. Versax derrière. Oh, l'interview d'Itachi. Stream, my friend. Hello. Ah, il va bien rigoler, les gars. Congratulations. You guys finally break through, but on a personal note, your first regional win, that's got to feel pretty good. Yeah, really good feeling. We're extremely happy of this result. Of course. I can see the tear flexing. Look at those muscles behind it. Big muscles from Pachira. Talk to me about, we can talk about Pachira in a second. Talk to me about Exotic, man. He had one heck of a series, especially to close it out. When this team came together, what were your thoughts on him initially and what are your thoughts on him now? Exotic is, he's cracked. Like, no one knew him the last season. He just came in the last split. He did a really good performance at the Worlds, and I always knew he was really, really good at the game, and he's just proving it. Like, the last regional, this regional, he's just so good at this game. Oh, absolutely. Do you feel like, for you guys, the difference between, you know, closing out this regional versus the last regional, was there a certain player or a certain thing that you guys thought about that kind of pushed you to the finish line here? Yeah, the last regional, we were playing good, but at the end, we kind of I don't know, maybe we got tired, maybe we were a bit unfocused, but we learned from that, and today we didn't let that happen, and we just played well the whole series, and we got the W. Yeah, absolutely. Big dub. So, talk to me. Let's move ahead a little bit here. You guys qualifying for Major here. I want to get the Itachi take here on who you have your sights on. As K-Corp, is there another team outside of your region at Major that you want to beat and play Gen.G? On land? Do I have to call just one or...
Just one chill. You can do a couple if you want. Like for me, like Moist, BDS, maybe even Vitality, I think they can surprise everyone, even if they miss the first regional. I think these, even Quadrant, like we just played them today and they were really good. Like for me, they like they can make the major and it's going to be really stacked. Like the last region is going to be really. Il a rien compris à la question. Il a eu 0 sur 20. Dark horse picks for Europe qualifying for LAN then? I know you mentioned some of these teams are at the top. Is there a dark horse pick in your mind? I don't have any. No. Okay. I guess for you guys going into this next regional, obviously again qualified for major, what's the big focus for you guys in the final regional of this split? For us, like we don't care if we made, like we're extremely happy to make the major, but for us we're just going to play the last regional as it is, like a normal regional, to play, to give our best to win it and just to perform the whole season and to make the best results. Either it's a regional, a LAN, a major, worlds, we're just going to play our best every time. Be the best. I expect nothing less from the boys from K-Corp. Itachi, thank you for coming on the broadcast. Any final words or parting wishes for the opponents on the other side? Yeah, it was a really fun series. Like, you are really good guys, and I'm sure going to make another good result and make the major, and see you there. All right. Thank you, Itachi. Thanks for coming on, and I hope you have a good night. Thank you. Have a good night. Let's go. There it is. Good sports. Ils vont arriver normalement. As well. You like to see that in competitors. Ils vont arriver normalement. We're here to compete. Incroyable. And expect to have some more fun playing against you guys in the Carbon Corp. Taking the dub, James Bot again. 4-2, 4-1, 4-2. On a eu le parcours de la mort, mais ça s'est bien passé en vrai. Ça s'est bien passé. I think they look like the best team in the world right now. Yes, again, yes. It's encore? French team that's dominating. It feels like something's changed. The best team in the world. Don't. But overall, je crois content. Corp, they are, I think, even looking at every region out there, they are the team to beat right now. Big claim, the best in the world as well. I mean, that says something about how well. Ça parlait mal les inter, je m'en souviens. Ça disait Itachi, Exotic sont pas le niveau. Vatirai se faisait carry chez Moïse. Yeah, congratulations to them, Carmine Corp. They will be the first European team joining us over there, joining Gen G. Je sais pas que je la mette sur. Also, ça va ou quoi? Ça va, alhamdoulilah. Premier titre de la saison. Premier régional, final, fallait s'adapter. Puis après, maintenant, là, vous êtes adapté. Premier titre, d'accord. Sur Rocket League, ouais. Sur Rocket League, c'est vrai que ça faisait longtemps. Ah merde, faut que je coupe le son ici, désolé. C'est vrai que l'année dernière, début de saison, c'était dur. La régionale qualifiée Eversax, il s'est passé quoi quand ils sont revenus à 2-2 en face? Est-ce que tu as eu des souvenirs de Oxygène et tu leur as dit les gars, time out? On se prenait trop la tête entre les games, on parlait tous à fond et tout. On s'est juste dit calme, on est meilleur, on joue notre jeu et c'est bien repassé. Mais on switch des fois, on joue mal et puis on joue bien. Donc, okay. C'est vrai que des fois, t'as une game. C'est le niveau, ils peuvent pas jouer contre nous. Ouais. Et la game d'après, bon. 5-1. Il y a 3 cargo bots sur le terrain. Il est trop dur. Itachi, ils avaient quoi? Ah, ça, je suis content. Ça fait longtemps. J'ai jamais gagné un seul régional. Ça, je suis hyper content. Ouais. Ah, alors que toi? Alors que moi. Non, c'est t'as l'habitude, toi. Vas-y, il fait trop le mec. Trop le mec, c'est une dinguerie. Exotic, dernier match, ils étaient morts. Pourquoi tu les as retués? Pourquoi tu les as retués, wesh? Arrête, moi j'aime bien. Je vois, il y a 5-2, ils foncent sur la balle, ils font un rite de fou. Ils trouvent le 6-2. Non, voilà, il les a foncés. Non, t'avais raison, parce que sur la fin, on commençait à pas sortir de la panique, mais tout le match, ils étaient éteints et ils devenaient dangereux sur la fin. Le but de Kamivez, il a dribblé 3 mecs, c'était vraiment Messi. Ah non, celui-là, c'était incroyable. Il a mis trop bien. C'est pour ça que j'ai le numéro 10. La numéro 10, c'est qui? Est-ce qui Neymar, c'est qui Suarez? Je suis Neymar. Non, lui, c'est Benzema, il veut plus. Ah, il veut Benzema, oui, c'est sympa, alors. Enfin, un nouveau trio, alors. MSB. Voilà, MNB. Vatira, entrée chez la K-Corp. Les Inter, ils ont dit, ouais, tu te faisais carry par Moist, ça va pas marcher avec Itachi Exotic, nanani, pourquoi tu quittes? C'est la pire décision de l'histoire de l'e-sport Rocket League, j'ai lu. Ouais, normal. Ça va. Ce que je fais. Tranquille, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Les gars, franchement, vous avez été incroyables. On mérite ce titre. Franchement, on mérite. Par contre, le premier Oxygène, ils ont pop.
Non, mais honnêtement, si, genre là, t'as vu, on n'a pas fait les erreurs qu'on avait fait au premier régional. Oui, mais après, Tivienne était très bon aussi. Ouais, mais je m'en bats les steaks. Voilà. L'ambiance est incroyable. Exotique, il est humble. On voit, vous avez crié, vous aviez la rage et ça c'est lourd. C'est ça qu'on veut à chaque but. Ça se check, ça hurle, ça crie, ouais, ça redonne de l'énergie. Le Major, toi t'as pas compris la question qu'il t'a posée. Tu sais que je pensais qu'il voulait me dire, tu penses quoi des adversaires? Il a dit tes adversaires dans le monde pour le Major. Ah merde. Et en mode, est-ce que si t'as une team ou deux que t'aimerais bien affronter ou quoi? Moi je me suis dit, va dire Genji parce qu'ils sont numéro 1 au States et qu'il y a Noli. Mais toi, t'étais là. BTS, va t'arrêter. Tranquille, tranquille. Et du coup, réponds à la question, c'est qui? De quoi? Qui vous, pas, qui vous fait peur, mais que vous avez envie d'affronter au Major. Ah, une équipe américaine. Moi, FaZe aussi. FaZe. Ouais, jamais joué FaZe aussi. FaZe, ok. On a jamais joué. Ouais, j'ai déjà joué FaZe. T'as envie de Gap First Killer? Ouais, genre, parce que les gens, ils parlent trop, ils disent trop. Ils pensent que c'est le meilleur joueur du monde. Ah. Demande à Eversax pourquoi c'est Vatigoat qui parlait au timeout. Parce que des fois, c'est les joueurs qui doivent parler aussi. Parce que t'as vu, en fait, genre. Ouais, tu disais quoi pendant ce mois? Bah, cette situation-là, je la connais, tu vois. Genre, j'ai déjà été plein de fois en finale et tout. Du coup, genre, vraiment, je me suis dit, là, je vais essayer, genre, de les calmer à fond, tu vois, de leur redonner un peu de confiance. Parce que, en fait, genre, dès qu'on arrive en finale, à des moments, ça va. Et à des moments. Non, mais. Parce qu'en plus, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit dans le cas. La vérité, il a sorti la carte glancière, il a fait les gars, j'ai déjà été plein de fois ces situations. Ah, ok, c'est bon, je ferme ma gueule. Vas-y, t'avais raison. Attendez, les gars, j'ai envie de parler. Après, il a commencé à. Arrête, il a dit, j'ai déjà gagné plein de trucs. Vous, non, donc je parle. Non, c'est vrai, il a raison. C'est ce que j'ai dit dans le cas. J'ai dit, c'est sûr, il a l'expérience. Parce qu'il les a gagnés, c'était son quatrième régional de gagner. Mais quand les joueurs un major de gagner. C'est hyper bien aussi. Genre, ouais. Le coach, c'est bien, mais quand un joueur il veut dire un truc, ça. C'est ouais, moi, s'ils font le taf. Ouais, c'est ça. Mais après, t'as parlé quand même, donc on va pas te casser les couilles en mode. Non, faut que tu parles plus pendant les timeouts. Ah, vous faites comme vous voulez, si tu juges que c'est bien, c'est bien. Et la vérité, c'est le victoire. Ouais, non, tranquille. Non, ça a marché de toute façon. Ça a marché. Après, t'as parlé, on a perdu, mais ça, je vais rien dire, mais tranquille. Après, on a gagné, calme. Tranquille, la Rule One, il a cassé la Rule One. C'est moi, je l'ai cassé. Ah, c'est toi? Non, je crois que c'est lui qui l'a cassé. C'est que la Rule One, non, c'est pas okay. Mais il a raison. En fait, il la tient tant qu'on a une bonne situation. Ouais. Et dès que c'est la merde, il la rate. On sent pas les couilles, on a déjà le choix. J'en ai foutu une Rule One là. T'as raison, frère. Là, Victor à la clé, on sent pas les couilles. On a failli marquer en plus. On a fait un play de fou. Mais toi, c'est toi qui la sauve. Non. C'est lui, il le bump, mais il le bump un tout petit peu, du coup, il peut l'arrêter. Sinon, j'aurais une open. Mais il avait une Dominus, je te jure, c'était une open. C'est possible, il est mort. Tout le monde pensait que c'était eux. Même moi, je pensais que c'était eux. T'as raison, frère. On s'en bat les couilles, frère. S'il faut gagner, on gagne. Si c'est eux, c'est des chiens. Si c'est nous, on est pas gagnant dans ce délire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Troisième régional. Ça va jouer avec la même dalle. Hein. Eh, il n'y a pas de. Faut qu'on montre, on est qui. C'est ça. Faut pas se relâcher. Parce que si tu regardes les teams l'année dernière qui sont relâchés, les Dignitas, premier split, c'était les monstres injouables et tout. Bah, vu qu'ils ont gagné Scalif, etc., ils se relâchent. Tous les tournois, il y a des points. Vous n'êtes pas qualifié au Major. Vous n'êtes pas qualifié au Major. De toute façon, on pense au World. Ouais, c'est ça. On pense au World, c'est tout. Pense au World. Et surtout, il faut s'entraîner, il faut se mettre en condition pour aller au Major et tout gagner. Voilà, exactement. De toute façon, on a tous des bonnes mentalités par rapport à ça. Genre, on n'est pas des mecs, on a gagné un truc, genre ça y est, c'est fini, je m'en bats les couilles. T'inquiète, de toute façon, je sais qu'avec Eversax, moi je suis là derrière aussi, il n'y a personne qui va commencer à. On va vous attraper par la nuque. Si je vous enferme dans le box en face là, ça va être 5 heures de free play par jour, vous allez comprendre c'est quoi. Le chauffage à fond. Ah, le chauffage à fond, mon gars, tu vas voir, c'est quoi. Tu vas ressortir, tu vas voir la table. Ok, bon bah franchement, bravo, merci, félicitations. Merci pour le soutien. Incroyable, le chat, au début ils dansaient, après ils sont tous concentrés, ils vous ont soutenu à fond. Et c'était incroyable. Et normalement, c'est dans deux semaines le retour. C'est ça. Ouais. Deux semaines, on vient en tant que champion, on vient tout gagner. Et le 10 décembre, Rotterdam, moi je viens, je sais qu'il y a le Blue Wall qui vient. Donc là, il y aura pour une fois sur Rocket League, en général, on a des petits trucs. Là, on aura un parkage bien carré. Donc vous allez les entendre pendant le match. Parce qu'il est incroyable. G-Fan Kakor équivaut à 300 fans des autres équipes. On l'a déjà vu à Barcelone. Vous allez voir. Ok, bah, je vais vous laisser aller vous reposer. Merci. De toute façon, j'arrive vous rejoindre bientôt et à tout à l'heure. Merci à toutes. Vous avez un message pour le chat, pardon, désolé. Quelqu'un veut prendre la parole pour le chat? Merci pour le soutien. Et très heureux d'apporter le premier titre. Exactement. Le maillot. Le blason. Le duo. Aïe, aïe. Vas-y. Vas-y, les gars. Merci. Incroyable. Ça, c'est de l'équipe. T'as fait combien, Futchamp? J'ai pas fini, je crois. Ah, tu vas finir cette nuit. Ok. Vas-y.
Ouais, je pense, je t'en fous. Question de fou. Interview de fou. Oh putain. Ça. Ça c'était. En plus, ça finit par une victoire. Que des matchs de fou. Frère, incroyable. Incroyable. Le poulet est succulent. Merci à vous les gars pour tout le soutien durant tous les BO. Allez bien évidemment les féliciter sur les réseaux, leur donner un maximum de force. Et voilà, montre le bracket. Il est fini le bracket, on a gagné. Le reste, on s'en fout. Après, si tu veux, tu sais quoi. Juste pour toi. Stream jusqu'au Worlds. Non, je pense que je vais aller célébrer en mode... ils vont partir là du bootcamp, donc je vais aller passer la soirée avec eux, t'as vu. Je pense, je vais pas être là, le gros geek qui stream. On vient de gagner le régional. Il faut être logique un peu, les gars. Il faut être